Les gars, ce live va partir en couille, c'est ma première sur Euro Truck Simulator. On va commencer la partie. Alors, comme vous voyez, j'ai essayé une partie de lancement, mais bon, on va en refaire une parce que je compte pas utiliser celle-ci, quoi. Je compte pas utiliser celle-ci, donc on va démarrer une nouvelle aventure. Alors, je sais pas comment démarrer une nouvelle aventure, donc déjà, ça commence bien, mais on va démarrer une nouvelle aventure de Euro Truck Simulator. En tant que conducteur, je suis William Morgan, le même nom que mon pasteur sur GTRP. Pédale de droite pour accélérer, pédale du milieu pour freiner, pédale de gauche, je sais même pas pourquoi. Et je pense que on risque de bien rigoler. J'ai vraiment besoin de vous. Alors, nouveau profil, tiens, on va faire un nouveau profil. On va s'appeler un bon nom pourri. Y a quoi comme nom vraiment pourri qui pourrait être marrant? Un nom vraiment pourri. Pourri pour un gros camionneur, tu vois. Mais là j'ai vraiment peur. Alors, la photo de profil... Ah ouais, c'est forcément des meufs. Ah ouais, mais j'ai dû dire que j'étais une meuf. Ah bah non, mais voilà. Voilà. Gérard. Oh, la gueule. Gérard. On va s'appeler Gérard. Je suis Gérard. Didier. Non, Didier, la fille de la mère que Didier. Je suis Didier. Je suis Dédé. Je suis Dédé avec... Oh là 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 là. Oh, la tête de vainqueur. Oh, la tête de vainqueur. Non, Didier, je trouve, c'est excellent. Oh, Didier, c'est excellent. Je trouve que j'ai une bonne... Oh là là. Oh là là. Oh, le Didier, Raoul. Oh, le Didier. Eh, avec cette photo, je trouve ça incroyable. Avec, tu vois, un bon camion rouge comme ça. Voilà, logo de l'entreprise. On va mettre ça parce qu'on est là pour Stonks. Veuillez saisir le nom de votre entreprise. Oh, Didier Truck Enco. Non, Dédé Truck Enco. Dédé Truck Enco, je trouve c'est énervé. Dédé Truck Enco, c'est incroyable. Merci Gianni pour le recev. Donc Dédé Truck Enco. Et voilà, on va créer ça. Alors, conduite avec les contrôleurs. Alors, vraiment, je vous jure que je n'ai jamais fait quoi que ce soit. La méthode de conduite la plus simple destinée à la majorité des personnes pour jouer au clavier. Non, idéal pour les volants et pédales, utiliser les boutons. Donc, je pense que c'est automatique réel, non, le mieux. Genre, vraiment, je... Oui, on va pleurer de rire, hein, ça va être horrible. Hein. Et... Enfin, ça va être horrible pour moi, pour vous, ça va être très très drôle. Mais vraiment, je vais être nul et je vais vous énerver au début. Je n'ai pas le permis. Et si vous avez déjà joué à Euro Truck Simulator, faut vraiment pas hésiter à me donner un coup de main parce que ça va être absolument terrible. Donc, j'ai peur. Vraiment, j'ai peur, c'est terrible. Sélectionnez la ville où vous souhaitez débuter. Bon, moi, je pense que je vais débuter à Lyon. Hein. Dédé, il a des origines lyonnaises, donc démarrons là-bas. Histoire au moins de voir ça. Souhaitez-vous passer le tutoriel? On va passer le tutoriel, mais vraiment, je vous jure, les gars, je le sens pas. J'ai peur. Est-ce que la musique est bonne? Est-ce que c'est trop fort? Dis-moi ce que ça donne, parce que j'ai peur. Mais vraiment, ce jeu de camtar comme ça, là, c'est effrayant. C'est un peu fort. Alors, attends, on va baisser ça. Hop, on va baisser ça. Donc, il faut que je livre des emballages. Alors, attends, options. Alors, déjà, audio. Voilà, merci. C'est où voix des sons environnants, ambiant. Volume de la musique. Voilà. Bon, déjà, la musique est moins forte, c'est un peu mieux. Voilà. Hop, on y retourne. Faut que je démarre le moteur. On appuie sur E. Moteur démarré. Utilisez votre contrôleur additionnel pour déplacer votre camion. Essayez de conduire sur quelques mètres, puis arrêtez-vous. C'est quoi le contrôleur additionnel? Alors, attends. Déjà, on va essayer de démarrer. Pédale, c'est parti. Attends, ça va pas fonctionner, attends. La vitesse. Alors, attends. Mais la première, merde. Attends. C'est gâchette de droite. Ok, gâchette de droite. Oh le roi. Heureusement que tu es là. Ok, donc là c'est Didier. Alors, on prend à droite. Oh sa mère, y'a que des murs. Oh, le portail. Non, mais le portail. Oh, attends. On y va doucement. Regarde. Hop. Tac. Et là, on prend à gauche. On réaccélère. Hop. Hop. Sans encombre, RAS. On roule. Et on est bien là.
T'es mort. Oh, je suis crispé, les mecs. Alors, attends. Maï, juste, je freine. Hop, voilà. La part Dieu est devant. Maï, elle m'a dit... Hop. Celle de gauche pour descendre de vitesse. Ok, donc je monte de vitesse avec palette de droite et... Enfin, gâchette de droite et je descends de vitesse avec gâchette de gauche, c'est ça? Ok, F3 pour la minimap. Très bien, F3 pour la minimap. Super. On va aller chercher des trucs, mais là, c'est dur. Hop. Continuons. Voilà. Là, je vous jure, les gars, je peux mettre la cam un peu plus grand si vous voulez, mais... Hop, on arrive au feu, on ralentit, RAS. Tout va bien, on attend. Appuie le 2 sur 2 pour la vue. Alors, attends. C'est F2 ou c'est 2 tout court? Hop, attends, F2. Ah oui, effectivement, je peux... C'est pour les rétros, ça. Ok, c'est pour les rétros, très bien. Donc on a les rétros. Ah ouais, non, mais je suis tout crispé, gros. Là, on va à Trado. Oh putain, on passe au orange. Oh là là, on grille un feu déjà, ça commence mal. Tournons quand même, c'est pas grave. Hop, tac. Bonjour messieurs les pompiers. Alors on regarde le rétro, y'a rien. Hop, y'a rien en face. Tout roule. Regarde, hop. On arrive au bon endroit. Oh. Putain, quel plaisir. Ça y est là, en fait, le jeu est terminé, hein. Mais le jeu est terminé. Le jeu est terminé, en fait. Appuyez sur la touche suivante pour choisir votre emplacement de livraison. Entrée. Un chauffeur de camion expérimenté peut faire face à des manœuvres dans des endroits exigus lorsqu'il dépose une remorque. Cependant, la sécurité de la cargaison est une priorité. Si vous ne vous sentez pas apte, négociez un emplacement de secours avec le dispatcher. Alors, est-ce que c'est lequel le plus simple? Mais je suis crispé, les mecs. Hein. Le clignotant, mais comment ça, le clignotant? Parce que le clignotant, je sais même pas comment c'est... Quel clignot de... On parle de quoi, là? Je sais même pas ce que c'est. C'est le deuxième, alors. Jouons la sécurité, ce sera un tout droit. Dirigez-vous vers le panneau rouge indiqué sur la carte. Ok. Pour passer le stationnement de la remarque et effectuer la livraison, appuyez sur Entrée. Ok. Oh là 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 là, j'ai gagné 360 balles. Ah! Quel plaisir. Gagner 360 balles déjà, mais en fait, on va monter une... Oh là 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 là! Oh la... Oh le siège social de... Oh le siège social de la rue. Ah ouais, mais va falloir... Il va falloir upgrade un petit peu tout ça, hein. Oh là, c'est vraiment la décharge, je suis cuit. C'est vraiment la décharge. Oh le... Ouais, c'est hangar de teuf, hein. Faut pas que j'aille trop loin, c'est un garage plutôt basique. Celle-là peut paraître dérisoire, mais c'est un début. Malheureusement, je n'avais pas encore de véhicule pour vous garer ici, il n'y a donc aucun camion. Bah, je fais comment une fois que vous... Ah, ok, faut que j'achète un camtar, d'accord. Bonne chance, très bien. Ici, vous pourrez observer votre progression. Donc, on a Didier en haut à droite, très bien. Résumé de la progression, choisir votre prochaine mission. Donc, on va aller sur le marché du travail, ici. Mission rapide, faites-vous embaucher comme chauffeur. Pas de panique, tout est prévu. Choisissez simplement une mission et conduisez. Alors, Lyon-Dijon, Lyon-Genève. Lyon, il n'y a pas Lyon-Lyon. S'il vous plaît. Lyon-Lyon, vraiment, s'il faut déjà aller sur Genève. Mais alors... Certains, enfin, vous me dites le contrôle pour aller en... Pour mettre le clignotant, notamment, il y en a qui me parlent de clignotant et tout. J'ai pas de problème à foutre le clignotant. Le seul problème étant que je ne sais pas comment mettre. Mais... Attends. On va à Dijon ou à Genève? On va à Genève? On s'envoie... Non, mais Genève... Genève, c'est pas un bail, il y a la frontière, faut montrer ses papiers. Parce que là si ça commence à... Allez, vas-y, vous dites tous Genève, on va aller à Genève. Sable 16 tonnes. C'est moins bien payé. Bah attends, tu sais quoi, on va aller sur une bien payée. 2600 euros, faut que j'aille chercher du fromage. Ah ouais, non, mais Dijon, payer 3000 balles. C'est quoi, on commence Genève, on commence petit, les gars. Prendre une mission. Oh, sa mère, j'ai peur. Alors, va dans les paramètres pour régler tes touches. Mais les gars, les touches, c'est funky, hein. C'est vous qui allez me dire tout. Allez, on passe la première vitesse. C'est où que je vois mes vitesses? Là, j'ai... Ok, bon, allez, on part, on est en vitesse 1, c'est pas grave. Attachez vos ceintures, les gars. Hop. Allez, on part à gauche, comme ça. Tac. Hop. Voilà. On respecte le code de la route, c'est bien. C'est bien. Bon, je suis un peu en biais, hein, mais... Je suis un peu en biais, mais c'est pas grave. Oh, putain. Regardez le rétro de gauche. Oh, le rétro de gauche. Ah, le rétro de gauche. Comment est-ce que je mets le clignot?
Parce que vraiment, le clignotant, je ne sais pas le mettre, hein, donc on va apprendre, mais... Continuons. Hop, tiens, on va prendre le côté droit. Parce que bon, il faut quand même pas que je déconne, quoi. Hop. Là, je suis prudent, regardez. Tout roule, tac. On arrive gentil. Hop, on freine. On est droit, la route est bonne. Mais RAS ? Wesh, attends, je fais demi-tour. Pardon ? Non mais ça fait demi-tour tout seul. Ouah, frère ! Allez, on repart. J'ai été un peu étonné. T'es en descente. Ah, faut que je reste sur le frein du coup. Fallait que je reste appuyé sur le frein parce que j'avais freiné mais j'avais pas capté, frère. Allez, on y va doucement les gars. Hop, on n'est pas pressé. Conduite de mer grand. Je suis à combien de kilomètres-heure ? 52 kilomètres-heure, faut que je fasse attention. On respecte le code de la route. Attends, parce que là je vois, ça se met en rouge là après dès que je dépasse. Faut peut-être que je passe une vitesse, mais ça s'est peut-être fait automatiquement, et ça c'est bien ça. Et dire que j'avais peur de jouer à ce jeu. Regardez, on arrive sur les coups de RIE les gars. Hop là, tout roule. Là on est bien là. Hop. On trace. Oh là la voiture. Ouh, j'ai eu peur. Mais monsieur la voiture, j'ai pas regardé le rétro, putain. Ok, Genève, tout droit. Allez, on y va. Non, faut que je sorte. Ok. Faut que je suive. Non, parce que je crois qu'il y a la cargaison à aller chercher. Si je partais à Genève direct, j'allais me sentir seul. Hop, on freine. Céder le passage. Ok. Bon bah le passage est cédé, hein, y a personne en face. Tournons gentiment à droite. Hop. Hop. Très bien. RAS. Tout roule. Ok, on est bien là. Ah franchement les gars, moi je me considère excellent là. Hein. Céder le passage égale s'arrêter que s'il y a quelqu'un. Écoute, je m'arrête, je regarde s'il y a quelqu'un, puis on voit après. Parce que après, si je commence à continuer sans faire attention. Mais il faut vous dire que j'ai pas le permis, les gars. Hein, donc, effectivement, c'est un peu dur pour moi. Enfin, c'est un peu dur. Disons que j'ai pas certains réflexes. Hop. Bah, et pour l'instant, tout roule, franchement, non ? Je m'en sors pas trop mal. Non ? Je m'en sors pas trop mal ou c'est calamiteux ? Moi, je dirais que c'est pas trop deg. Hop, un petit 85 km/h comme ça. On est bien. Ça va, je trouve qu'on est pas mal. Alors, va falloir qu'on voit ce détail qui concerne le clignotant, parce que, à ce qui paraît, des rumeurs disent qu'il est important. Mais bon, attends, les gars, voilà. Les gars, côté droit, là, par exemple, regardez mon 90 km/h, là, je suis limité. Oula. Oh putain. C'était qu'un plot. Est-ce que le 90 km/h. Est-ce que ça veut dire. Genre, vu qu'il est en rouge, ça veut dire que je suis au-dessus de la limite autorisée ou pas? Est-ce que quand c'est en rouge, ça veut dire que je suis au-dessus de la limite? Ah merde! Ok, donc faut que. Ok, donc faut ralentir en fait. Ok, d'accord. Bon bah allons-y alors. C'était 80. Ah merde! Bah ouais, merde. Et c'est écrit où la limite? Parce que là, je la vois pas. C'est marqué sur la map. Ah bah oui, c'est écrit sur la map. Bah oui, bien vu. Bien vu les mecs. Excusez-moi, j'avais pas vu. Je n'avais pas vu. Tiens. On y va gentil. Gentil. Hop là. On tourne. Droite. Gentil. Non, franchement, c'est pas mal, hein. Eh, double virage comme ça. Hop, regarde, gentil. Ah là, j'aime bien, là. J'aime bien ce que je vois. On réaccélère. Oh là. Voilà. Le virage est un peu plus sérieux, mais c'est pas grave. On le négocie bien. 60 km/h, on va faire attention. J'aurais aimé faire routier. Bah, pour être honnête, je viens d'une famille où mon père est routier. Et mon père est encore routier à l'heure actuelle. Il fait des Lyon-Bordeaux quasiment tous les jours. Je rigole pas. Hein. Genre, mon père fait Lyon-Bordeaux plusieurs fois par semaine. Donc, je viens d'une famille de routiers. Vous savez quoi, hein? Non, mais vous savez quoi? Je vais ramener mon daron. Mais je suis sérieux. Je vais ramener mon daron. Je vais faire un stream avec mon daron. Genre, il va me voir conduire. Il va me voir conduire et je vais le faire conduire. T'imagines?
Je fais conduire le daron ici, je le ramène. Avec le Marcel et tout. Non, mais mon daron, c'est un vrai, hein, je rigole pas, hein, c'est un OG le daron. Il va être dépité. Ah non, mais lui, c'est son métier, tu vois, donc lui, c'est un pro. Mais son fils qui a pas le permis, forcément, ça doit lui peser un peu. En vrai, c'est une bonne idée. Non, mais tu vois, je mets le daron à côté. Je lui dis, tiens, vas-y, conduis un petit peu, fais une petite. Et là, il va me dire, mais frère, déjà que pendant mon travail, je fais des routes, et toi, tu viens me prendre sur mon temps libre pour que je fasse des routes aussi. Alors, attendez, juste avant, hop, voilà, ça permet de s'arrêter. Oh, il y a des voitures dans le rétro, merde. En gros, là, j'ai fixé un peu le volant parce qu'il bougeait légèrement. Alors, il nous reste 68 bornes, du coup. On est plutôt pas mal. Non, non, mais ramener le daron, ça peut être marrant. Je vais lui dire, viens faire des sous sur Twitch avec ton fils. Mon daron, je vais lui faire une scène Twitch. Il fera des best-of montés par Mathéo. On va faire un live IRL Eurotruck. Non, pas Eurotruck Simulator, où on va genre vraiment faire de la conduite entre streamers et tout. Ça va être incroyable. Faudra livrer des palettes. Amine, il a fait un Five Club. Nous, on va faire un défi Uber Eats. Gros Euro Truck Simulator IRL. T'imagines le bail, gros. Double-le. Non, 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 je peux pas le doubler, là. En vrai. Non, mais en vrai, c'est chaud de le dépasser. Genre là, si je le dépasse, je fais une portion en contresens. En plus, c'est, à 5, c'est limité à 50. Hop. Ligne blanche, tu peux pas. Bah, c'est ce qui me semble. Mais ceux qui me disent double, c'est des Heyewen. Ils ont envie que je fasse l'animal. Ils ont envie de se foutre de ma gueule. Hein, vous avez envie, bande de petits bâtards. Eh, et je peux pas mettre un limiteur, un truc à 50 comme ça, là. En vrai. Comme ça, j'ai... Parce que là, je suis en train de jouer de la cuisse, là, comme ça. C'est dur, hein. Attends. Au pire. Au pire. Au pire. On ne vit qu'une fois. Oh non, 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 non. Oh, la vie de ma mère, j'ai pas les couilles. Oh, j'ai... Oh, Inch'Allah, y a pas de voiture qui arrive en face. Attends, c'était pas propice. C'était pas. J'allais doubler en virage, gros. Ouais, gros, mais on est là. On est là, gros. Y'a pas de soucis. En vrai, c'est pas un problème. On arrive bientôt à Genève. 37 bornes, les gars. Pas grand chose. Là, on va toucher nos premiers 2361 euros. La vie va être fantastique, hein. Sincèrement. Allez. Bon, ça va, il trace en face, le frérot. Hop. Oh là, la Mini, attention. Je connais des mecs qui sortent de Mini pour s'embrouiller sur le périph' parisien, c'est... C'est un côté funky, hein. Hop là. Attention, hein, des grands chauves sur le Mini, enfin, dans des Mini... Faut faire attention, les gars. C'était toi, sale mytho? Oui, c'était moi. Oula, oula, oula. Oula, on a ralenti léger. Très bien. Allez. Bon, pour l'instant, à part un petit cône touché, ça allait, hein. RAS, hein. Nous, on passe la zone. On est bien, hein. Fais gaffe aux gilets jaunes sur le rond-point. Ça, c'est seulement demain que nos amis les gilets jaunes... viennent rappeler à Macrar qu'il est pas tout seul. Demain, ça va rebloquer du rond-point. Contre l'augmentation du gaz et de l'électricité. C'est dur, là, hein. Mais, hey, on y est dans 12 km, les gars. 12 bornes. Ça va vite, hein. Là, on est bientôt arrivé, hein. Hop. La DD Truck & Co se passe formidablement bien. Hein. Fais ta meilleure manœuvre, bah on essaye. Hein. Là, dites-vous, je mixe un petit peu comme ça, regarde. Hop. En vrai, c'est sportif comme ça de réappuyer sur la pédale et tout. Hein. Vas-y, dépasse. Ah là, je peux dépasser là. Ah, Genève découverte, ça y est. On découvre des nouvelles villes. Bientôt, on va faire du Moscou. Hein. Là, on arrive soon, là. Là, on arrive soon, ça sert à rien de dépasser. Hop. À tous les coups, il va au même endroit que moi. Non, il va à gauche, lui. Enfin, à droite, pardon. Hop. Oh ! Voilà. On est bien.
Oh, attention! Eh, le jeu est incroyable, hein! Propre, t'as capté le frein? Ouais, ouais, on est bien, hein. Clignotant! Mais après, frérot, je sais pas mettre le clignotant! Faut que vous me dites comment le mettre! Si vous me dites comment le mettre, moi, en vrai, j'ai pas de problème avec ça, hein. Allez, on démarre gentil. Hop! On tourne à gauche. On y va gentil. Voilà, comme ça. Hop! À droite. Gentil aussi. Hop! Et bah bien! Bon, faut que je fasse quoi là? Ouais, je suis sur le point là! Ah, faut que je recule! Alors, à ce propos! À ce propos! Je sais pas reculer! Je sais pas reculer. Palette de gauche. Ok, deux fois la palette de gauche. Oh les rois. Let's go. On appuie sur entrée. Jouons la sécurité. Confirmé. Ok, comment je retourne sur la carte? Je crois que c'est F1. Non. Attends, comment je retourne sur la carte? Ramenez-moi ce sou! Ramenez-moi ces sous! Ramenez-moi ces sous! Ramenez-moi ce pèse, cette thune! Ramenez seulement! Eh oui! Regardez Didier! Avec ses premières... sa première thune, j'ai 4970 euros. 4970 euros. La vie est fabuleuse, sérieux. Marché du travail. Ça y est, en fait, genre, je suis... je suis parti, là. Hein. Je suis parti, on va me proposer des trucs de ouf. Genève-Zurich, Lyon-Dijon. Alors, est-ce que ça me considère comme étant à Genève? Ou est-ce que il faut que je reparte à... genre, par exemple, si j'accepte Lyon-Dijon, faut que je reparte de Genève à Lyon? Ou alors ça va me faire spawn à Lyon? J'espère que ça fait spawn à Lyon, parce que si je dois revenir à vide comme ça, c'est un peu naze. C'est un petit peu naze. Je suis à Genève, là. Non, mais je sais que de base, je suis à Genève. Ah, ça fait spawn. Ok, d'accord. Oh. Ah ouais, faut que j'y retourne. Faut que je prenne un truc au départ de Genève. Ok. Bah, vu que j'avais envie d'aller à Dijon, on irait pas à Dijon? Un petit Genève-Dijon, là, comme ça. En vrai. Un petit Genève-Dijon, et après, on fait Dijon-Lyon. Ouais, un petit Genève-Dijon, nous on est un routier, nous, un routier un vrai. Nous, voir du pays, ça nous fait pas peur. Hop là, Genève-Dijon. Mission en cours, lait en poudre. Et oui, c'est nous qui allons... Hop là, on démarre le moteur. Hop, Dijon-Paris après, vas-y, on va voir. C'est nous qui ravitaillons la France et les Français. Les gens ne sont pas reconnaissants de l'apport des chauffeurs routiers comme Didier. Didier et la Didier Truck & Co. Hop. Pourquoi j'ai pas mon clignotant de gauche? C'est vrai que j'ai pas mon clignotant de gauche, ça me perturbe. Hop là. Allez, on y va. Oh, attends, il y a la police juste là. Hop. On se recale bien. Hop là. On est un peu honteux. Mais... ah, c'est bon, ça a l'air d'être vert là, non? Bon, bah, on va supposer que c'est vert. Et là va arriver la première difficulté. Il va falloir essayer de passer à gauche. Sachant qu'il y a des voitures. Non, mais je voyais pas le feu, laisse. Allez, on s'engage. RAS, on est bon. Hop là. Allez, ça y va là. On se met côté droite. Du coup, le feu, tu le vois? Non, non, je voyais pas le feu. Hein. J'étais pas bien placé. Et j'avoue que là, j'ai pas mon rétro de gauche. C'est un peu bizarre. Je n'ai pas mon rétro de gauche. On a 196 bornes au programme aujourd'hui. Hop là. Oh merde. Ah oui, effectivement. Ok. Donc les... oh, attention. Oh, sa mère. Oh. Si, si, le rétro de gauche, on le voit, hein, c'est à cause de la souris, en fait. Mais sinon, RAS, tout roule.
Hop là. C'était une petite... Oula, il y a des petites péripéties. Il y a des petites péripéties qui peuvent venir d'un coup. C'est pas très grave, hein. Oh merde, on est dans une zone à 80. Ralentissons. Soyons respectueux du code. Du code et de ses principes. Voie de droite, comme ça. Tout ce qu'on aime. Le camion chargé de lait en poudre. Pour aller chercher 4000 balles, là. 3000 balles, pardon, je crois. On est pas mal. Dans notre rétro, il y a une voiture qui arrive qui devrait me dépasser soon. C'est pas grave, t'inquiète, cousin. Dépasse. Dépasse seulement. Regarde ma conduite assurée. Oh, on a un nouveau message. Oh là, c'est des flèches qui m'indiquent une route. On y va, là. Faut que je regarde mon petit message. Le message, ça va être « Vous avez une amende !» Je vais être ravi, hein. Fait échappe, puis mail. Non, bah attends, on va attendre. Le message, on va pas le regarder tout de suite, on va le regarder arriver à Dijon. Hop là, on repasse la frontière. Rebienvenue en France, les amis! Allons, enfants de la patrie. Nous avons gagné la Ligue des Nations. Je ne regarde pas mon niveau d'essence. Ceux qui me disent Alt F4 pour le message vous baise. Ceux qui me disent Alt F4 pour le message vous baise. Entendez-vous dans le chat Twitch. Smokez les méchants viewers. Ils se foutent de la gueule de Zach et de sa conduite de merde. Aux armes les viewers. Formez vos bataillons. Marchons, marchons. Que des trolls impurs abreuvent nos grosses veines. C'est bien là. Ça se voit, t'as jamais conduit. Ah bon? Non, mais gros, je suis à peine crispé, là. Je dirais que je suis plutôt assuré. Je respecte jamais les limites. J'ai pas mis un clignotant. C'est pas mal, hein? Je paye pas l'essence ni le péage. Oh! Ça, c'est le discours qu'il fallait me dire, ça. Regarde, concrètement... Oula, 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 oula! Oh! J'ai cru que j'allais être témoin d'un accident de ouf. Moi, je voulais pas prendre l'essence, là, parce que je m'étais dit que ça allait me coûter des sous, et que là, nous sommes en position... Merci, Rectrac, le frérot. On est en position prendre des sous, tu vois. Sauf que à l'heure actuelle, si je ne paye pas l'essence... Ah, gros, la donne est changée. La donne est totalement modifiée. Il suffisait de le dire. Il suffisait de le dire. Je me sème si tu driftes. Mais je sais même, mais comment je drift? Genre, je fais un gros virage et je freine? Gros virage et on freine nos mères? Hop là. On approche de Dijon. On est bien, hein? Ça va te retourner? Non, mais vraiment, si je fous le camtar en l'air parce que j'ai essayé de drifter pour un sub, j'aurais vraiment une gueule horrible. Ah merde, on respecte toujours pas le code de la route. Alors... Prochaine mission pour les prochains, pour les prochaines sessions, apprendre à mettre un limiteur de vitesse, si c'est possible, et le clignotant. Le clignotant, je pense que ça reste quand même une donne importante. Parce que vraiment, je respecte archi pas les vitesses, c'est horrible. Hein. Mais genre, si tu respectes pas, imaginons la vitesse devant un policier, il peut te baiser ta mère ou pas? Genre, tu peux te faire lever le camtar devant lui, genre direct comme ça. Hop là. Touche C sur le clavier, le régulateur. Merci, sac de l'eau pour le resub. D'où je suis pas aux event. Ah bah, on y sera peut-être une autre année, y a pas de problème. Alors, on regarde à droite, y a rien. À gauche, y a rien. Engageons-nous. Comment ça, j'ai pas le permis, je conduis des camions? Non, mais ça, j'ai pas le permis IRL, tu vois.
Mais là, comme ça, le camion, ça y va. Regarde, à une main, comme ça, hop, la conduite est assurée, cousin. La cam 8 du pavé numérique est mieux. Alors, attends, on va toucher le 8. 8. Oh! Bah, c'est pas mal, mais sauf que ça m'enlève le rétro de gauche, non? C'est peut-être problématique de pas avoir de rétro de gauche. Mais j'aime bien cette cam. J'aime bien cette cam. Avouez, c'est reposant. La 5 est la meilleure. Alors, attendez, on teste. Hop. La 5, c'est celle que j'avais, non? Mais en tout cas, là, je trouve ça pas mal. Hop là. Il y a d'autres problématiques? Non! Juste le limiteur de vitesse. Je vois que quelqu'un m'a dit la touche C, on va regarder après. Limiteur de vitesse. Ça va, Maï? T'as vu comment je me débrouille bien? Je fais Genève-Dijon. Ouais, mais la limitation, ça. Ouais, bah là, je suis au-dessus de la vitesse autorisée. Ouais. Mais de 2 km/h. Ouais, mais sans Maï. C'est pas grave. Maï, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, c'est bien que tu fasses ce jeu. Ça va te motiver à passer le permis. Comme ça, tu me ramènes à Ikea. J'ai dit, ah ouais, mais là, j'ai dit, la motivation, elle est au max. Là, vraiment, tu m'as bien donné envie. Hein. Let's go, passe ton permis en live. Non, mais le Miper. Miper, faudrait que je me tape une motive à la Domingo, tu vois. PA, lui, il a pris son été. Cet été, il est allé à la montagne. Il a passé le Miper et tout. Il a vraiment fait son petit roi du monde, tu vois. Ça, c'est l'affaire des grands hommes, ça. Je te le jure, le permis en 3 mois, c'est bouclé. Mais 3 mois, c'est long, cousin. Mais bon, oui, il faudrait que je le fasse un jour. Arriver à 26 balais, toujours pas avoir le permis, c'est vrai que c'est honteux. Ah ouais, c'est reposant comme stream, quand même. Hein. Oula, 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 oula. Attention. Hop. On gère. Hop. Let's go. Ouais, c'est reposant de fou. J'aime ça. Permis passé en 1 mois pendant le confinement d'avril. Toi, t'es le roi du monde, toi. Toi, t'es le mec intelligent, toi. Là, je suis où? On est à 40 km de Dijon, frérot. 40 km de Dijon. Et arrivé Dijon, je pense qu'on fera un tour au niveau de la capitale. Un petit Dijon-Paris, si ça me propose une mission, j'irai. Il y aura pas de problème. Des grands coups de volant et c'est reposant, bien sûr. Des coups de volant, comme ça, au repos. RAS, hein. Faut mettre rire et chanson. Est-ce que si je mets la... Non, mais si je mets la radio, ça va être copyright and co. Ça va être de la merde. Bien entendu, c'est la radio, elle a pas Epidemic Sound. Je vais y aller, ça va être... Attends. Ouh, attention. Oh, sa mère. Oh, j'éternue comme mon grand-père, là, Rahmo. Ah, il éternuait fort, ça me faisait peur quand j'étais gamin. Non, c'est Radio IRL. Ok, d'accord. Ouais, ça met de la merde, un peu. Il y a des difficultés dans ce jeu? Bah, je pense qu'il doit y avoir des difficultés en mode... En mode sur la conduite. Genre, moi, j'ai un mode de conduite et il y a certains modes qui sont peut-être plus durs que d'autres. Donc, et peut-être plus pratiques aussi. Donc, je sais pas. Je suppose que ce que je fais là, c'est ultra... on va dire ultra assisté, tu vois. Pour qu'un débile comme moi s'en sorte à peu près, c'est vraiment que c'est pas ultra compliqué. Après... Va falloir qu'on voit ce qu'on fait avec notre flotte, tu vois. Hop. Stop. Ok. Stop. Ok. J'avance quand, là? Là, maintenant? Ok, y'a rien. Allez, on fonce. Allez, on fonce. Y'a rien, on y va. C'est le premier stop que je rencontre. Eh, hey, on a essayé, hein. On a essayé, hein. Je pense qu'on est plutôt pas mal, là. Hop, je suis au-dessus de la limite. On approche de Dijon, mais... Oula, putain, c'est un petit coup de trottoir. On approche de Dijon. Ah, attends. J'ai rien derrière moi pour l'instant. Ok. Prochaine mission, limiteur de vitesse avec la touche C, apparemment. Clignotant, on verra plus tard. Hop. Oh, des trajectoires fines. Pff, oh, sa mère. Je ressens les vibrations dans le volant qui disent « Cousin !» Oh là là! Oh, la difficulté. Oh, les problèmes.
Bon, au moins, s'il y a un problème, les pompiers sont déjà là. Hop. Et là. Oh, oh, sa mère. J'ai failli faire un accident à 2 mètres de l'arrivée. Je me suis rattrapé parce que franchement, je pense que je faisais un accident à 2 mètres de l'arrivée, là. Hop. RAS. Oh putain. Qu'est-ce que j'ai touché encore? C'est dur, hein. C'est dur. Jouons la sécurité. Attends, donc là, pour la sécurité, faudrait que je me mette à gauche. Attends, faudrait que je fasse deux... Oh là 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 là. C'est quoi? On va jouer la sécurité. Mais ça va être dur. Hein. Alors. Hop. Hop. Attends, hop. On essaye. Hop, attends, regarde, comme ça, on se met un peu devant. Oh, hop. Je pense que je suis pas mal, là, en vrai, là. Et là, je pense que je fais demi-tour. Alors, on fait demi-tour. Ouais, je crois que ça fait pas demi-tour, là. Appuie sur 4. Alors, attends. 5, 8, alors 5. Attends, attends, attends. Wesh! Voilà. Oula, 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 oula! Eh, vas-y! Prends le camion comme il était! prends le camion comme il était, là, me prends pas la tête! Eh, j'ai essayé, c'est dur. Je peux acheter mon camtar en faisant un prêt? Ah ouais? Merci pour le resub, Buzzy. Le problème des prêts, c'est que c'est des taux d'intérêt. C'est haram, les mecs. Hein. C'est le mec. Moi, je veux pas faire de prêt, même dans le jeu. Hein. Alors, compétences. En travaillant, vous gagnez une compétence. Alors, marchandises de grande valeur. Marchandises fragiles. Livraison juste à temps. Ok, d'accord. Cette compétence vous permet de transporter des marchandises fragiles telles que du verre, des équipements électroniques ou des machines fragiles. Votre compétence longue distance détermine la distance maximale. Initialement, vous ne pouvez pas parcourir plus de 250 km/h. Avec chaque nouveau grade, vous devenez qualifié pour livraison jusqu'à 350 km/h, plus 5% d'augmentation. C'est longue distance, c'est rien du... Éco-conduite. Alors, je vais vous donner la... le ressenti de Didier sur l'éco-conduite. On s'en bat les couilles. C'est un avis comme un autre. Hein. Là, on vient de prendre du long range, les mecs. On vient de prendre du long range, ça me plaît, ça. Alors, banque. Offre de prêt 10 000 euros pour 290 euros par jour. Alors, vendeur de camions. Regardons les camions qu'on pourrait avoir. Non, me dis pas qu'il faut que je retourne à Genève, là. Oh, 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 la flemme. On est à Dijon, on va plutôt... Écoutez, on va aller à Paris, on va voir le vendeur de camions derrière, d'accord? On va voir le vendeur de camions après. Ça m'offre des Dijon-Paris ou pas? Dijon-Metz? Non, frère, arrête tes conneries. Dijon-Lyon? Lyon-Dijon? Dijon-Berne? Oh là 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 là, je suis déçu. Ça m'offre pas de Dijon-Paris. Ah ouais? Tu vas spawn direct au garage? Ah, ok, ok, ok. Donc attends. Je peux partir d'où je veux. Ah, je peux partir d'où je veux. Ok, d'accord. Donc, vendeur de camion, imaginons, genre, je double-clique là. Visiter le concessionnaire ou acheter en ligne. Je visite ou j'achète en ligne? Ah ouais, aussi, il faut que j'ouvre mon message. Alors, attends, on va ouvrir le message. Email, on a 3 emails. Besoin de chauffeurs avec leur propre équipement. Nous recherchons des conducteurs expérimentés possédant leur propre camion pour un grand nombre de liaisons. Nous offrons un salaire attrayant de 5100 euros par mission. Oh, incroyable. Nous avons pensé que vous aimeriez savoir que nous offrons des prêts attractifs aux nouvelles entreprises. Avez-vous besoin d'un financement pour lancer vos CC? Nous sommes là, veuillez visiter notre agence bancaire locale. D'accord.
Nous sommes distributeurs agréés de la marque Mercedes. Mmh, on va visiter, écoute. On va visiter, on fera un prêt derrière. D'accord ? Peut-être que ça va nous permettre de faire... de se mettre bien, d'accord ? Vendeur de camions, on va visiter le concessionnaire.